Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarkulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2, donc une vidéo à propos du DLC 2 qui sortira en premier sur PS4 le 10 avril et le DLC s'appellera The War Machine. Donc ce DLC pack contiendra 3 maps multijoueurs plus un mode guerre en multijoueur et une nouvelle map zombie tant attendue par les fans de zombies. Donc pour la première map, c'est une grande première pour les Call of Duty. Elle se passera en Égypte, c'est la première fois qu'ils font une map en Égypte et ce sera un champ de bataille pour tout combattant, que ce soit en corps à corps, en rapproché ou longue distance ou en moyenne portée. Ce sera pour tous les modes de jeu, tout confondu. Il y aura un temple intérieur et bien sûr ça se passera aussi un peu en extérieur. Voilà pour la map Égypte. Alors la deuxième map, c'est Dunkerque. Et cette map, elle se passera sur les villes côtières françaises. Donc, sur cette ville-là, il y aura une plage. Et en fait, elle sera surtout adaptée pour les fusils snipers. Et bien sûr, pour les assauts un petit peu aussi. Si vous arrivez bien à vous faufiler, vous allez pouvoir faire un carnage aussi en moyenne portée. Et pour la troisième et dernière map multijoueur, ce sera la V2. Qui se passera en Allemagne rurale et c'est une base de développement de fusées. Elle n'a pas l'air très grande, donc elle sera surtout efficace pour les personnes qui jouent à moyenne ou courte portée. Et pour le mode de jeu guerre, ce sera l'opération Huskai. Donc l'opération se passera en Sicile et il faudra recueillir des informations, des renseignements, donc faire la guerre pour réussir la bataille et gagner la guerre. Et pour la map zombie, elle s'appellera le Trône d'Ombre. Ce sera une map zombie qui se passera en Allemagne, à Berlin plus précisément. Ils disent que la ville Berlin sera totalement brûlée, donc elle sera totalement en feu. On va bien sûr devoir continuer l'histoire de Barbarossa pour récupérer l'artefact. Et bien sûr, essayer de niquer l'armée des morts vivants de Dr. Strobe. Donc voilà, c'est tout pour ces informations. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez la hype pour ce nouveau DLC qui va bientôt sortir le 10 avril. On va bientôt avoir aussi un trailer pour ce fameux DLC qui viendra peut-être fin de cette semaine ou la semaine prochaine. Mais il fera son apparition très bientôt. Donc tenez-vous au courant. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Sur ce, ciao, peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, yummy, yummy.